Salam alaikum wa rahmatullah. Alors bonjour chers élèves. Alors faire des leçons d'orthographe qui concernent les accents, on va essayer de dire ou bien de savoir quels sont les différents types d'accents. Alors il existe déjà trois sortes d'accents. Alors soit l'accent aigu, sécurité, l'accent circonflexe, arrêt, ou bien l'accent grave, portière ou là derrière. Alors déjà, d'où moi les trois accents qui existent. Les accents, bien sûr, ticono imma, fougue le A sur le A, ou bien surtout sur les voyelles calca, ou l'accent sur le O, sur le I, sur le U, sur le A, sur le E. Alors, d'où surtout sur les voyelles. L'endroit, les ticono les accents. Alors, on va passer directement aux exercices de l'unité 5. Premier exercice d'orthographe, unité 5, page 143. Alors, je m'entraîne. Exercice 4. Réécris les mots en leur ajoutant, si besoin, l'accent qui convient. Alors, bien sûr, il a qu'un mhtajin. Il a qu'un mhtajin. Un de l'eau. Wesh, fais-on ou la fais-on. Alors, on a la semaine à dos. On a un mot, on a un mot, les mots. Alors, la grêle. Alors déjà, la grêle, il manque un accent, les voix circonflexes sur le E. Voilà. La grêle. D'accord? La grêle, il manque un accent circonflexe. Drôle. Aussi, sur le O. Le frère, c'est un accent grave. Un château, c'est un accent, bien c'est l'accent. Circonflexe. D'accord. Différent. Différent. Alors, c'est accent aigu. La règle. Accent grave. Essuyer. Alors, essuyer, là. Et là, j'ai déjà E suivi par deux S. Deux consonnes. La voûte. La voûte, alors déjà, l'accent circonflexe. La colère, accent aigu, plutôt grave, voilà, grave. La dictée, accent aigu, là, le là. Une caresse, marassage, puisqu'il est suivi de deux S. Intéressant, radindiro, l'accent, là, le là. Il y a accent aigu, Tania a déjà suivi par deux S. Alors, chez les liens. Alors, je dis les mots, les mafiums, chez les accents, les m'a essuyé, m'a une caresse. Alors, orthographier correctement les mots entre parenthèses. Il y a des mots entre parenthèses, bien sûr, qui concernent les accents. Alors, père, l'accent grave sur la première. Mère aussi, mère, père. D'accord? La forêt, alors déjà, qu'on a l'accent circonflexe, c'est là. E. Il y a des chênes. Alors, chêne, qu'on a l'accent circonflexe. Alors, mon frère, père et mère, qu'on a l'accent grave, me. Dépose, alors dépose à titre l'accent aigu. A, accent grave. L'école, accent aigu. Et voilà. D'accord. Alors, il ne faut pas rouler les feux éteints. D'accord. Éteint la nuit. Alors voilà, Aoma, les kalimat les kina, kangolo. Et voilà. Alors, mère, père, mère, forêt, chêne, frère, déposé à école. Et éteint à la fin. Alors, accentue les mots de trois couleurs différents, accent grave, accent aigu, accent circonflexe.
Alors, l'objectif est essentiel, ou voilà, nous les accents le crayon. Alors, le présent. Alors, le présent, a dit qu'on a fait H. Accent aigu. Mystère, accent grave. Il connaît. Il connaît. Alors, il a déjà connaît. Fait le verbe AI, accent circonflexe. Sur le I. Pièce, accent grave. Forêt, accent circonflexe. Pédale, accent aigu. D'accord? Alors, maintenant, on va passer au septième exercice concernant l'évaluation. Alors, réécris les mots en leur ajoutant, si besoin, l'accent qui convient. Alors, bien sûr, il y a seulement rire, blâmer les accents flexion. Alors, le lièvre, accent grave. Élevé, accent aigu. Le râteau, accent circonflexe. Écrire, accent aigu. La scène, accent grave. Une adresse, même étagèche. La presse, étagèche, même étagèche. J'ai déjà nénéa, 2S, 2S. Alors, réécris les phrases en mettant les accents qui manquent. Alors, donc tu vois les phrases en mettant les accents qui manquent. Donc, bien sûr, sur les mots qui manquent déjà des accents. Alors, la première voiture est très chère. Alors, il y a trois mots qui manquent. Il y a la première, accent grave. Et très, grave. Cher, grave. Alors, à doute, l'état, les accents graves. Alors, elle dessine des panneaux de signalisation routière. Alors, il y a un seul mot, il y a routière grave. Il essaie d'ouvrir la portière arrière. Alors, déjà, la portière arrière. Alors, bujon, accent grave. Nous écrivons, accent aigu, des slogans pour sensibiliser à, accent grave, la sécurité, accent aigu et accent aigu, routière, accent grave. Finalement, on va donner deux mots avec accent grave et deux mots avec accent aigu et deux mots avec accent circonflexe. Alors, deux mots avec des accents graves. Alors, on va donner père, mère, frère, etc. Deux mots avec accent aigu. Drongolo sécurité, drongolo donner, participe passé, drongolo écrire, drongolo sécurité, faire juge, sécurité, etc. Et deux mots avec l'accent circonflexe, drongolo maintenant, forêt, hôpital, drongolo arrêt, et c'est bon, c'est voilà. Alors, on a terminé les exercices et merci pour votre attention.